Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que cette semaine, ça va être un peu une semaine où justement on va un peu se laisser porter et on va devoir aller regarder notre énergie intérieure. Donc on va un peu, tu vois, aller dans les imprévus de la vie et se dire que parfois, ben, on a planifié quelque chose et ça va changer. Donc ça va changer aussi au niveau intérieur. Donc bien regarder au niveau de ton énergie, mais ça veut dire aussi qu'on aura peut-être plus envie sexuellement parce que notre énergie elle sera active. Et donc ça va peut-être nous donner envie de bouger, d'échanger nos énergies, de grandir ensemble. Donc ça va être super chouette aussi également. N'oublie pas, n'oublie pas, parce qu'on va nous donner justement cette puissance. On va devoir retrouver aussi cette puissance à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça va être super intéressant. Et également, ben, on va devoir nous dire, OK, ce qui est passé est passé. On va laisser là de côté. Pour cela, en fait, j'ai tout simplement besoin de moi retrouver mon énergie. Et si je vois que justement, ben, je commence à remuer encore la boue qui est du passé, que ce soit avec des vieux schémas, avec des vieilles histoires qui reviennent ainsi sans cesse, ben, en fait, je vais devoir tout simplement me dire, OK. Ben, je bouge, j'ai tout simplement envie de pouvoir aller avec un ami boire un verre, ou alors tout simplement aller voir la famille, dire bonjour, aller promener avec mon chien, peu importe en tout cas, je vais devoir justement trouver des petites choses qui vont me permettre de retrouver mon énergie et de laisser le passé au passé pour me dire ben, maintenant je me dirige vers quelque chose de mieux. Donc clairement, c'est comme ça que tu vas pouvoir te guérir, c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi grandir. Et donc, réalise ce que tu as réalisé. Plus tu vas réussir à aller jusqu'à la fin, bah, plus ce sera simple. Bien évidemment, bah, comme on a un peu plus dans les énergies de la vie, où on se laisse un peu porter et en même temps on écoute nos énergies intérieures, bah, on va avoir peut-être avoir tendance à laisser de côté ce qu'on est occupé à faire et on dira, bon, on verra ça plus tard. Mais c'est OK parce que les énergies de la semaine te le permettent, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ose montrer qui tu es, parce que c'est super important, mais tout en gardant justement aussi cette énergie. Donc, laisse-toi porter par les vibes, laisse-toi t'exprimer, montre qui tu es, ose dire que tu es beau, ose dire que tu es belle, ose tout simplement être toi et te laisser porter par ces énergies-là. Plus tu vas justement ben, te laisser porter par les mouvements de la vie, ce que la vie va t'offrir, plus ça va être simple. Ça peut être tout simplement, tu as prévu quelque chose pour ta semaine, et puis ben, en fait, il y a quelqu'un qui débarque en plein milieu de la semaine et qui dit, ben, tiens, j'ai ramené deux pizzas, ça te dit une soirée movie, et en fait, tu dis, bah, c'était pas prévu, mais ok, pourquoi pas. Et ça va être chouette parce que ça va te permettre justement de pouvoir transcender tout ça et de te laisser aussi porter par les énergies de la vie. Donc, n'oublie jamais de rester, bien évidemment, bah, fidèle à ton cœur. Donc, si ton énergie te dit que là, tu as besoin de repos, repose-toi. Mais comme on est encore dans le petit soleil, en été, donc ça va être important de pouvoir aussi te laisser transmuter cette joie à l'intérieur de toi, mais d'avancer avec cette qualité d'énergie positive, parce que c'est ça qui va te permettre aussi de grandir. Donc, toujours dans la joie, plus tu es dans la joie, plus ce sera simple. C'est ça qui est super intéressant, parce qu'on va nous demander justement de pouvoir avancer, mais toujours rester dans cette petite joie intérieure et en suivant les énergies de la vie. Donc ça veut dire s'écouter, écouter le monde, écouter ce que le monde invisible aussi a à nous offrir. Et surtout, ben voilà, si un imprévu arrive cette semaine, dis-toi que c'est normal et en fait, essaie de la suivre. Peut-être que toi, tu fais partie des gens qui adorent les imprévus, donc ça va être génial. Mais si tu es un peu plus difficile, dis-toi que c'est juste une semaine et puis de toute façon, ben en fait, les énergies changeront. Donc ne te tracasse pas. N'hésite pas à faire les énergies aussi du jour pour pouvoir justement te booster, avancer et que ce soit beaucoup plus simple pour toi cette semaine-ci. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.